Yo les gens, c'est le Poké. Le Pokéut. Et aujourd'hui, on va faire un unboxing de booster Pokémon. C'est Soleil et Lune. Alors, c'est marqué. En japonais. Donc, c'est des boosters qu'on a eu au. Pokémon Center. Au Pokémon Center de. C'était où ? Dikebukuro. Donc, là-bas, ça coûte vraiment pas cher. Pour la petite anecdote, ça coûte genre combien un paquet ? Comme ça. Genre, ouais. Vraiment pas cher. Enfin, il me semblait que j'avais dit pour 5 boosters. Pour un booster français, tu pouvais en avoir 5 là-bas. Ouais, je crois que j'avais fait le calcul, c'est ouais, totalement abusé. Donc, du coup, on fait quoi aujourd'hui ? Et ben, on va ouvrir ces boosters. Ouais, et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin il y a un concours pour vous faire gagner une carte incroyable. Voilà, donc c'est un Shaymin qui est sorti exprès pour les 20 ans, je crois, 25 ans, je sais plus, du Pokémon Center. Il me semble aussi. Les détails seront à la fin de cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, donc on a deux caméras. On a une caméra là qui filme nos mains et une autre. Ça devient trop professionnel! Comment on fait pour bien les ouvrir? Bah, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà, on a une petite languette pour faciliter l'ouverture. Ok. Que je suis pas douée là. Vas-y, vas-y, je fais comme toi, ok? Voilà. Je retourne mon paquet. Ok, tu vas et la première carte, je la mets au fond. Ok. Et ensuite, je peux à nouveau retourner mon paquet. Ok, d'accord, d'accord. Fais comme bon, ça. Tu vois qu'on va s'imparer les paquets? Non, on fait les combats du booster. Combats de booster? Bah ouais. Et bon. Celui qui a les meilleurs boosters, parce qu'en fait, on a 5 boosters, et celui qui a les meilleurs boosters, il ouvre le dernier booster. Ok. Non, mais si, c'est trop bien. Alors, okay, attends. Ok, d'accord, d'accord. Ouais. Alors, donc, attends, hop, là, on voilà. Fait bien le truc. Attends, parce que moi, il y a un reflet à la con là. Carte, et je me demande si on devrait pas les rapprocher comme ça, genre, tu vois. Ça, on les voit mieux là. Moi, j'ai une carte objet. Moi, j'ai une carte Pokémon, donc c'est un Reptincelle. Enfin, c'est une carte Trainers. Trainers, mais pourquoi moi, j'ai pas cette carte, moi, du coup? J'en sais rien. Parce que normalement, il me semblait que t'avais un objet par carte, par booster et. Ah bon? Je sais pas. Non, je crois que c'est bon. Bon, j'ai un Reptincelle, je suis très heureux. Oh, ensuite. Ah bah, j'ai ça à la mèche. T'as ça la mèche. C'est bon, on va pouvoir le jouer. Moi j'ai le meilleur Pokémon du jeu, clairement. Alors, j'ai tout fait enculé. Ensuite, vas-y, c'est parti. C'est quoi? C'est Axolotl, il me semble, c'est ça? Axolotl. Donc, moi j'ai quoi? C'est le. Moi j'ai Corailion. T'as Corailion, j'adore Corailion, putain. Et toi, je sais pas comment. C'est quoi? Ah putain, c'est un Pokémon de la dernière gen là. Il s'appelle Gialango. Gialango en japonais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à me dire son nom français en français en commentaire. Et tout enculé. C'est quoi, j'ai le meilleur Pokémon du jeu encore une fois? Magikarp. Un Magikarp, plutôt t'as quoi toi? Moi je sais pas ce que c'est. Je connais pas ce Pokémon. Je connais pas les dernières générations. Putain, en fait. Mais si. Hihidaluma. Ok, d'accord. Ouais. Très bien. Ma vie c'est de la merde. Go. Bon, toi Loïc, je pense que tu t'es planté. Hein. C'est chelou. Alors moi j'ai eu. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ma vie c'est de la merde. En plus j'ai une vieille carte à la con là. Alors moi je sais pas ce que c'est non plus, mais j'ai pas eu un bon tirage. Hein. Ah, mais attends, il manque une carte, c'est pas possible. Je suis trop con. Bah non. Mais attends, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que j'ai mis une carte comme j'ai. Ah, je ne sais pas. Attends, moi, non, attendez, parce que vous savez, il y a un ordre là pour les cartes. Je ne sais pas comment tu as fait. Qui a gagné ce paquet? C'est un peu gif-kif là. C'est un peu gif-kif. Ça va départager ouais. Sur le prochain. Hein. Alors, comment t'as fait? Tu l'ouvres. J'ouvre. Par devant. Attends. Par devant. Là, on fait. Avec la petite ouverture. Je montre en même temps à la caméra. J'ouvre par devant avec la petite ouverture. Donc, faut pas regarder là. Je retourne mon paquet. Et la dernière. Comme ça, la dernière de où? Celle là au-dessus? Celle de devant, je la mets derrière. Comme ça, regarde, je suis pas con. Ouais. Comme ça, comme ça. Allez, on retourne, c'est parti. Voilà, donc tout à l'heure, je sais pas ce que t'as fait. T'as dû en prendre deux, je attends, ne sais pas. C'est pas la même carte terrain de merde que j'ai eu là. Bon. Donc c'est voilà, les cartes objets, hein. C'est pas le plus passionnant, on va dire. C'est pas très joli, et puis. Puis voilà, nique sa mère. Pour le jeu. Ah, j'ai encore eu. Ça attends, mais pourquoi t'as mis en avant? Alors pourquoi j'ai encore une carte objet? Si t'en as eu deux, bah t'as pas eu de chance. Je comprends pas. Comment ça se fait? Ils ont des défauts, les boosters, ou quoi? Comment ça se fait que j'ai des objets, toi, des Pokémon? Mais en tout cas, j'ai ça la mèche. Encore une fois, t'es nul à chier. 3, 2, 1. Bah tiens. J'ai le même objet que toi. Oh moi, j'ai eu mini Draco, donc pour l'instant, oh je gagne. Ouais, bah d'accord. Ouais, clairement, je gagne. Alors, 3, 2, 1. J'ai eu un Barpo qui ouais, a une putain d'évolution de Barpo, t'as perdu. Quoi, non, Barpo, l'évolution, elle est bien de Barpo. Hein. Ouais, bah l'évolution, mais ça, c'est pas l'évolution que t'as eu. Alors, 3, 2, 1. Eh bah, j'ai eu l'évolution de Barpo. T'as eu Milobélus et moi, j'ai eu encore un Reptincelle. Est-ce que le Milobélus vaut pas si, tout si, si, ah, le pense, ouais, je pense que tu vas niquer. Mais le problème, c'est qu'il y a combien de cartes disponibles il y a dans ces putains de boosters? Il y en a 53, bon, il y en a pas énormément, donc je pense que c'est normal qu'on ait des doubles. Enfin, genre, on a eu deux doubles, là. Mais bien sûr que c'est normal. Mais bien sûr que c'est normal, je tape. Bon, on l'ouvre ensemble. Je peux ouvrir aussi. J'en ai marre de ma vie. Bon, c'est moi qui fais l'ouverture. Allez, vas-y. Histoire que ce soit à peu près bien fait. Alors. Donc, on commence. Donc là, on a eu Pokémon inconnu Pokémon. Attends, attends. Je connais pas non plus. Mais c'est pas. C'est mais si, c'est. Tout à l'heure, non?
Non, non, je le connais, lui il est dans la dernière gêne aussi. Je connais pas la dernière gêne. Putain. Là on parle d'un vrai Pokémon. Là voilà, hein. Oh, là. C'est pas un trousseau clé, bande d'enculé. Ah, voilà Draco. Putain, Draco. Draco, il est. Là, il faudra un Dracolos Full Art Shiny, mes couilles. Et non, on a une vieille carte traîneur de. Waouh! Les pires boosters de ma vie! Eh hein bah, voilà, c'était les pires boosters. Putain! Donc, du coup, on parlait de la carte Shining que vous voyez sur votre écran actuellement apparaître. Pour la voir, il faut tout simplement suivre le Pokutu sur Twitter et RT le tweet en haut de la description de cette vidéo pour avoir une chance de la gagner. Voilà. C'est ça. Donc rendez-vous sur mon Twitter. Tous nos réseaux sociaux sont bien sûr en description, oui. Comme d'habitude. Mais allez follow le Pokutu, moi j'ai trop de followers, je me bats les couilles. Allez la follow, c'est bien. Sur ce, ben merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que cette petite unboxing de cartes Pokémon vous aura plu. En tout cas, on fait des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à très bientôt. Et portez-vous bien.